Alors, Géraldine, ça va être essentiellement une journée nuageuse, oui, mais il y a quand même quelques petites percées de soleil qu'on va pouvoir observer. Ciel généralement couvert. Oui, la journée va être nuageuse, mais certaines villes, certaines régions quand même aujourd'hui vont goûter à une alternance soleil-nuage. Un nuage un peu plus gris pourrait vous offrir de la pluie. Pratiquement tout le monde se retrouve aujourd'hui avec un petit risque d'instabilité des 30-40 % de risque de gouttelettes d'eau. C'est pas immense. On parle pas d'averse sans interruption, mais un petit nuage plus menaçant. Voilà. Puis par endroit, un ciel généralement couvert. Dans généralement couvert, il y a des petits trous de lumière, possibilité donc d'avoir des rayons de soleil aujourd'hui. Et niveau température, on est soit sur nos valeurs saisonnières ou légèrement sous celle-ci de 2-3 degrés environ. Demain, ça va grimper. On va regagner les degrés perdus après les précipitations. Donc, vous le voyez à l'écran, certaines villes n'ont pas de gouttelettes d'eau. Et s'il y a des gouttelettes d'eau par chez vous, du moins pour les prévisions qu'on voit à l'écran, dites-vous que c'est vraiment un faible risque d'instabilité. À plus long terme, ce qui nous attend, on garde toujours ce faible risque d'instabilité. Des 30-40 % de risque de gouttelettes d'eau encore demain pour Montréal. Ciel généralement couvert. Par endroit, ce sera une alternance soleil-nuage, mais toujours avec un petit risque d'instabilité. Vendredi, samedi, nuages, grisailles, moins de soleil, disons-le, quand on regarde à plus long terme, vous allez le voir. Mais vous allez voir aussi la bonne nouvelle dimanche avec ce dégagement qu'on prévoit. Et enfin, cette hausse des températures. C'est encore très loin, mais la semaine prochaine s'annonce très estivale, chaude, ensoleillée. Déjà, Montréal, on prévoit un 28 degrés. C'est déjà bien, le retour du facteur humidex, donc on ajoute à ça des ressentis peut-être 30-31. Québec aussi, il y aura hausse des températures et beau dégagement dès dimanche. Honnêtement, là, d'ici le week-end et peut-être même jusqu'à dimanche, la possibilité qu'on garde toujours les nuages pas trop loin dans le décor et ces faibles risques de précipitation entre 40 et 60 %, sinon certaines villes auront davantage de soleil, mais toujours quand même avec un risque d'instabilité. Bref, on la garde pas trop loin, cette instabilité, mais on a espoir pour la semaine prochaine avec des températures beaucoup plus estivales. Merci, Géraldine. À tantôt. À tantôt.